Le Real de Madrid de Carlo Ancelotti a perdu son premier match de la saison face à l'Atlético de Madrid dans le derby. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Real de Madrid, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passé de parler de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Stéphane est parti. Alors, le Real de Madrid a perdu dans le derby. Du coup, donc, les choix tactiques de Carlo Ancelotti font déjà parler. Beaucoup reprochent à Carlo Ancelotti d'avoir mis Jude Bellingham avant-centre aux côtés de Rodrigo. Moi, ce que je vais vous dire par rapport à cela, c'est que Carlo Ancelotti fait avec les joueurs qu'il a. Tu es privé de Vinicius. Tu as perdu Karim Benzema, tu n'as pas Courtois. Ce que Carlo Ancelotti est en train de faire là, pour moi, c'est un miracle même. Parce que pour moi, ce Real a super forme. Le Real de Madrid super forme. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique de perdre face à l'Atlético de Madrid. Pour moi, c'est logique de perdre face à l'Atlético de Madrid. Donc, ce Real-là, pour moi, tant que tu n'as pas recruté un avant-centre de classe mondiale, il aura tous les problèmes du monde pour pouvoir vraiment marquer des buts. Parce qu'on l'a encore vu face à Union Berlin. Le Real a tiré plus de 30 faux buts, mais ils ont marqué seulement un seul but. Et encore à la 95e minute. Donc, le Real de Madrid manque cruellement d'efficacité. Et pour moi, il faut un avant-centre de qualité. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Carlo Ancelotti fait, il est en train de faire le miracle avec le Real, vu l'effectif actuel, dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.